Alors, on ne défragmente pas les disques durs de chez Mac puisque en fait ça n'a pas le même noyau que chez Windows. Néanmoins, on peut toujours vérifier si le disque est en bon état. Pour ça, allez dans Finder, puis Application, Utilitaire et Utilitaire de disque. Lancez donc l'utilitaire de disque. L'application s'ouvre. Sélectionnez votre disque dur. Donc ici, vous avez ensuite les différentes actions qui s'offrent à vous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier le disque pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Donc on vient sur l'onglet en bas à droite, vérifier le disque. Attention, cette action peut prendre plusieurs minutes en fait. Donc cliquez sur vérifier le disque et puis laissez-vous guider. Sinon, il y a un petit logiciel sur le site toutcharger.com, donc facile par la page d'accès de Google, un site de téléchargement de logiciels. Donc vous voyez, quand on arrive sur le site, on est directement sur Macintosh parce qu'on le détecte. Tapez dans son moteur de recherche Onyx, O-N-Y-X. Ensuite, vous pouvez agrandir la fiche du logiciel. Ce logiciel est complètement gratuit. Et vous cliquez sur le bouton Télécharger, qui est ici. Voilà. Bon, ça c'est une petite application qui n'est pas compatible avec le dernier Snow Leopard. Et donc, grâce à ce logiciel, eh bien, vous pourrez nettoyer tous vos fichiers résiduels sur l'ordinateur. Voilà.